Encore 4, 14 autres. Arrête, je vais chercher du pain. Je suis pas bien. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On dirait que je suis Thibaut InShape. Salut les... Je sais plus comment il dit, bref. C'est Julien, ouais, c'est pas Thibaut. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve, vous avez vu le titre, pour une nouvelle vidéo où je vais goûter les aliments que je n'aime pas. On avait fait cette vidéo à Paris la dernière fois, vous aviez adoré, moi j'avais détesté. Et du coup, comme je vous aime et que c'est vous qui me faites gagner ma vie, je viens refaire ce concept. Sauf que cette fois-ci, je suis pas tout seul. Qui de mieux pour me faire goûter les plats que j'aimais pas quand j'étais petit que la même personne qui me les donnait à manger quand j'étais petit et quand je les aimais pas? Je vous présente ma maman. T'es en plein cagnard, Julien. On est bien là. On est bien là. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je vais chercher ta... de la crème. Non, mais non. Allez. Mais c'est bon, c'est bien le soleil. Mais non, pas le midi. Ça me fait sortir mes taches pas de rousseur. T'as faim? Bah non. J'espère que tu vas aimer, hein. C'est bon. Tiens. Quand j'amène la... Retourner chez sa mère à mon âge, voilà, ça donne ça à chaque fois. C'est beau avoir l'âge que j'ai, c'est comme si j'avais 12 ans chaque fois que je viens chez ma maman. Ça fait plaisir. Je sais pas si c'est pareil chez vous, dites-moi dans les commentaires. Attends, je te mets une chaise. Moi je t'amène les plats, je mangerai après, Julien. Et t'es quand même mon invité. C'est tout blanc. Ah oui, je suis blanc. Je te dis qu'elle était blanche. Salut à tous. Tu préparer des choses bien sympas aujourd'hui? Ouais, j'espère que tu vas les manger cette fois-ci. La différence avec la dernière fois, je ne sais pas du tout ce que je vais goûter aujourd'hui, c'est-à-dire que ma mère ne m'a pas tenu au courant. Je sais juste que c'est des choses que je ne mangeais pas quand j'étais petit. Et ben c'est parti. Premier plat. J'ai peur. I'm afraid, comme disent les Américains. J'ai très peur. Alors, parce que les fruits se mangent au début du repas, voilà un petit compoté de cerises et de kumquat. Des quoi ? Un petit kumquat. Ça me donne pas du tout envie. Les fruits, c'est un dessert. Non, c'est au début des repas. J'ai pas du tout envie de manger ça, là. J'ai envie d'un steak frites. Alors ? Ah, c'est amer. Ça pique un peu, mais... Comment ça, ça pique? Pourquoi ça pique? C'est parce qu'ils sont pas bons. Ça, c'est une cerise. Une cerise. Pourquoi c'est pas rouge normal comme une cerise? Et pourquoi c'est pas au bout d'une tige? C'est des cerises noires. Ça existe, les cerises noires? Ça va, c'est cool. J'ai jamais la cerise. Ah, bravo. Mais vas-y, les pommes quoi? Mais ça, on dirait du chorizo. Plus je les ai fait un peu confire. C'est pas bon du tout, ça. C'est bon parce que la cerise, elle est très douce et le kumquat, il est un petit peu astringant. Mais qui veut se mettre des trucs astringants en mangeant? Bon, cerise, validée. Comme quoi? Poubelle. Alors, plat numéro 2. Oh non! Alors, salade, puisque c'est les crudités après les fruits. Salade grecque. Endive, très bon aussi pour le ventre. Et il y a quoi dans tes endives? Endive avec houmous. Ah, je te jure, non, j'ai pas envie. Non, franchement, avec non, je houmous de lentilles. J'ai déjà goûté la salade la dernière fois. J'ai bien parce que c'était. Je m'assieds, je veux te voir manger ça. Je veux te voir manger ça. Vas-y. C'est dégueulasse. Et je suis sûr que tu vas trouver quelque chose de bon. Pourquoi la salade, j'ai goûté la dernière fois, j'aimais bien. J'aimais bien parce que c'était nature. Pourquoi vous êtes tous obligés de rajouter des trucs de fou dans votre salade pour que ça devienne dégueulasse? Goûte-la avec la sauce. Il y a des avocats dedans. J'ai dit que j'aimais pas les avocats la dernière fois, tu m'as mis des avocats en douce. Vous savez pourquoi j'ai des problèmes de nourriture? Parce que depuis que je suis petit, ma mère elle me fait des feintes. Regardez, elle me dit c'est une petite salade. Vous avez tous entendu? Elle a dit une petite salade parisienne niçoise, je sais pas quoi ce qu'elle a dit. Regardez, je pousse la salade, y a quoi? Des avocats cachés. Allez, vas-y, mais goûte-le. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et ça c'est quoi dedans? C'est du houmous de lentilles. Houmous de lentilles corail dans une endive. Allez, vas-y, goûte. Mais je veux voir, ça se trouve tu aimes. Allez, pas d'a priori. Je vais vomir. Ah, genre, je suis pas bien. Non, arrête. Je peux pas manger ça. Les amis, je pleure. Je peux pas manger ça. Allez, dépêche-toi. Il y a encore 4, 14 autres. Arrête. Je vais chercher du pain. Pourquoi je fais cette vidéo? Je savais la dernière fois que j'avais pas de la base. Ça me dégoûte. Tu vois ce que tu fais vivre? Oh mon dieu. Zéro ça. Je suis pas bien. Bon, je vais goûter le. C'est quoi l'endive au houmous? Sans le curry? Vous avez déjà mangé ça de votre vie? Pas bon. L'endive c'est froid, le houmous c'est tiède. On dirait de la moutarde. Et j'arrive à sentir le... Il y a du curry dedans, hein, dans le houmous, non? Non, il doit y avoir un assaisonnement. Ouais. Assaisonnement. Ça c'est le mot vraiment, je comprends pas. J'aime pas. Et ça j'aime pas du tout, hein, le houmous là. Vas-y, goûte la salade. Mais ça c'est de la feta, je sais que j'aime pas. Oh, mais pourquoi c'est froid? Parce que c'est de la salade, Julien. Allez, force-toi. Allez. Pas trop mauvais quand même, en plus c'est... Mais c'est pas dégueulasse. Il y a un coach ça j'aime bien, le petit goût de la menthe. Ah. La menthe c'est sympa. Et le petit goût de menthe c'est sympa. Tout le reste c'est vraiment pas bon. Une olive noire. Les olives tu aimes? Non. Je retire les olives sur mes pizzas. Dites-moi dans les commentaires si vous faites ça aussi ou pas. Ou je les mets toutes sur une part et je la donne à quelqu'un. Next. Tu connais ça? C'est chaud. Les asperges, bien sûr. Je crois que c'est du poireau. Ça se mange avec une vinaigrette. Là-dedans, il y a des trucs que j'aime pas, c'est sûr. C'est une vinaigrette, c'est du vinaigre. J'aime pas. Bah non. Du vinaigre, c'est pour nettoyer. Mais et non. Même quand on... Je te jure, même quand on nettoie avec du vinaigre, ça pue. Je comprends pas le concept. Non.
C'est vachement bon, c'est tout doux. Il y a pas de goût. Il y a des gens qui viennent dans la rue qui disent moi j'aime trop manger des asperges. Oh, je me ferai plein des asperges au resto ce soir. Oui, non. Il y a beaucoup de fibres. Ah, bravo Julien. C'est dégueulasse. Non, ça je pourrais en manger. Ah bah vas-y, mange-en un peu. Tu veux la vinaigrette? Non, pas du tout. Ça, ça va. Pourquoi je fais cette vidéo, les amis? Vous pouvez me le rappeler. Je vais manquer tout le temps. Arrête de manger du pain, tu mangeras pas le. Non, mais c'est parce qu'il est tombé par terre, du coup je l'ai ramassé. Allez, alors, poisson. Je sais pas si t'as déjà mangé ça. C'est pas un poisson, c'est ça, je connais, c'est un gyoza. C'est un ravioli pékinois. Là, ça s'appelle de la raie. Non. Alors, mais la raie, c'est dans les parcs d'attractions. Normalement, ça se mange avec les capres, tu vois. Ça, c'est une raie, ça? Ouais, et c'est super bon, c'est super fin. Et tu tires jusqu'au cartilage. Et mais la raie, c'est au Bahamas. J'en ai vu en vacances. Vas-y, et un petit peu d'épinards, allez. Franchement, c'est super bon. Vas-y, mais prends du citron ou ça? Là, t'as rien mis. Pas mauvais. On dirait du chewing-gum. Goûte avec une cape, c'est ça qui donne le. C'est quoi ça, la capre? Ouais, ah, ça pue, ça. Non, c'est des petits condiments. Oh, quoi. Ça sent le concombre. Condiments, ça sent le. Ça sent cornichons. Les cornichons. Waouh, voilà, c'était ça que je pensais. T'aimes pas non plus le cornichon? Non! Bravo! Et c'est ça qui donne le goût. C'est ça qui donne le goût à l'arrêt. Arrête de manger du pain. C'est acide. Mange du liquide de frein. La prochaine fois, c'est pareil. Je te jure, c'est le même goût. Vous êtes fous à manger ça. Ça, ça va. Ah, bravo. Mais ça va, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est des filaments, on dirait du poulet, sauf que c'est moins bon que le poulet. Quoi. Bah, si, c'est mieux. Au lieu de manger toujours de la viande. Le poisson, c'est très bon pour la santé. Bon, ça, c'est validé. Ah, bravo. Allez, les épinards. Ça dégage. Bah, je les ai fait nature. Hein. Donc, tu diras pas qu'il y a de la sauce que t'aimes pas. Bon, ça va. C'est bon. Alors. Ça, je termine de mâcher dans combien d'années, en fait, avec ce truc? Bon, ça va, ça fond dans la bouche, je n'exagère ouais, pas. Ouais, ça va. Les épinards, ah, c'est un bravo, peu un mythe. Bravo, Julien. Ça va. On s'améliore. La suivante. Alors, je pense que ça, tu vas aimer. Ah, c'est sûr même. C'est du riz noir avec une tomate farcie. Allez. Ça, c'est une tomate cuite, comme ça. Je découpe comme ça. Tu prends un petit bout de tomate, voilà, ça donne du goût. Mais la peau de la tomate, c'est ce que j'aime le plus, je crois. C'est bon, ça? Ça, c'est bon. Ah, ouf, merci mon dieu. Ça c'est cosy ça. C'est vrai? Ah ouais. Même ouais. La j'aime bien parce qu'il y a du steak haché dedans. Non, j'aime pas la tomate, mais j'aime bien le steak haché. Et le riz noir, goûte. Riz noir, c'est une qualité de riz. Bon, ça va. C'est juste moins bon que du riz normal, donc je m'en bats pas. Ça c'est pas mal. Ah, tant mieux. Ça c'est pas mal. Je pense que j'ai envie de terminer la vidéo là-dessus. Non, ouais. Attends, il y a encore quelque chose. Ça c'est bon ça. Mmh. Vous voyez que je découvre des trucs grâce à la vidéo. Ça c'est pas mal. Juste la tomate, c'est pas bon. J'ai plus faim. Alors, boudin, boudin pomme. Tu te moques de moi? Non, vraiment. Est-ce que tu prends du plaisir à mettre vraiment des trucs que je vais pas aimer? Qui ressemble à du caca, là. Tu peux m'expliquer ce que c'est le boudin? C'est des boyaux, mais des bons boyaux. Allez, vas-y. T'occupe pas de d'où c'est, d'où ça vient. Vas-y, bah, ça me regarde un peu quand même, parce que je vais le manger. Vas-y, goûte. Je commence par une pomme. Pomme cuite, franchement. Ça va. Ça va. Mélange avec le boudin, tu vas voir, c'est délicieux. Ça se mange? Oui. T'es sûr? Je vais pas mourir? Non. Par contre, vos barbecues à faire tout cramer, ça c'est super cancérigène. Pour moi, c'est de la merguez. C'est un truc que tout le monde aime. C'est pas du caca, du boyau. Là. Allez, vas-y. C'est du sang? Ouais, plus ou moins, mais tu t'en fous de ce que c'est. Tu manges et tu... Visuellement, c'est pas beau. Hein. Bon, pourtant, c'est le goût. Allez. C'est bon le mélange quand même. Hein. Crée, salé, comme ça. Avouez que ça va. Ah bah super. Ça va, maintenant c'est visuellement c'est pas beau. Il pourrait présenter ça du caviar quoi, tu vois. Ça va, franchement ça va. Oh bah super. Quand même du sang. Bon bah pour finir, comme je vois que t'as quand même fait un petit peu des efforts. Beaucoup ouais. Allez, je suis donné. T'as pris ton dessert préféré. Ah sympa, une tartelette aux framboises. Dans les commentaires si c'est aussi votre dessert mais préféré. Mais il faut faire des efforts encore pour les salades. Hein. Ah, sympa. Ah ouais. Ça c'est le bonheur. Je pense que c'est ça qu'il faudrait manger à tous les repas. Le matin, le midi, le soir, des tartelettes aux framboises. Non, les salades, les fruits, les légumes. J'entends pas. Les amis, attends, je me régale une seconde. Je pense qu'on peut arrêter cette vidéo là-dessus. Conclusion. Les tomates farcies, c'est sympa. Ouais. Le boudin. Ouais. Ah, l'arrêt. L'arrêt. Les asperges. Mais tout le reste. Ciao, bye bye. J'ai quand même fait des efforts aujourd'hui. T'as fait des efforts, mais il y a encore du boulot. Hein. Encouragez-moi avec des pouces bleus si vous avez trouvé que franchement j'ai fait cette vidéo pour vous et que ça vous a plu. Si vous voulez que j'en refasse une, parce qu'il y a tellement de trucs que j'aime pas encore dans le monde, je pense que je peux faire au moins encore bien vidéo YouTube sur le sujet. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces bleus, tout ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous êtes pareil que moi, rendez-vous aussi dans les commentaires encore une fois. Je vous embrasse, passez une bonne fin de journée. Merci maman de m'avoir préparé ces plats plus ou moins dégueulasses. Mais merci surtout pour la tartelette aux framboises. A bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ça, c'est la vie. Ça va. Non. Si.
Si. Non. Non, mais t'as pas mangé lui. Hein. Non.